Et bonjour à tous, bienvenue pour cette 31e partie de Pokémon Vanguard. Alors, on va commencer un peu bizarrement, je vais essayer de pas prendre trop de temps. Enfin, j'ai fait un premier épisode 31 qui s'est mal passé. On va dire, je vais tout vous expliquer. Je vais aller dans l'ordre des événements. On s'est délaissé après la petite exploration avec A, le renégat dont le masque s'était enlevé, le gamin, quoi. Il était parti devant et il criait. En fait, on découvre, voilà, on affronte quelques Oursaring et Scareno, et on découvre qu'ils criaient pour réveiller les animaux de la forêt, les Pokémon de la forêt, et nous mettre dans la merde. Donc voilà, on a même combattu un comme ça, là, mais battu assez facilement. Darette va bien, elle a réussi à sortir de la grotte. Ensuite, on est de retour à la guilde. Connor, on lui remet les livres qu'on avait trouvés dans le laboratoire, qui étaient notamment écrits dans un langage qu'on ne comprenait pas trop. Voilà. Destiny, elle est un peu la mal dormie. Elle va se réveiller. Elle va dehors et elle croise Calvin. Calvin qui est en train de faire son sport, de courir. Destiny est un peu en mode, mais comment tu trouves l'énergie de faire ça avec tous les cours? Parce que oui, il y a comme une ellipse, ça fait 3 mois qu'on est à la guilde. Donc voilà, entre la course, les cours, les entraînements de combat, les missions, elle lui dit, comment tu fais ça? Et en gros, lui, Calvin, il veut rattraper les autres. Il y en a qui ont une famille stylée, il y en a qui sont les meilleurs, qui ont combattu plein de renégats. Bref, il se sent un peu... Ils se sont un peu à la traîne, donc il veut se donner à fond. Et on démarre le chapitre 20, A Peaceful Escape. Parce que en gros, il va y avoir une pause. On a fait beaucoup de missions, il sait, Connor, qu'on est fatigué. Donc il nous donne une semaine de pause. Et on a Marshall, tout à gauche, qui propose d'aller au festival qu'il y a dans sa ville natale, qui est Rivera. Plus ça va être les 1000 ans. Donc on se prépare, c'est la prochaine destination, dans cette ville. Ensuite, on a la fille, Ayaka Sionsta, qui a remplacé son père pour une réunion importante avec les membres de l'Alliance. Donc l'Alliance, c'est genre les gens qui dirigent la région de Eirei, plus il y a quelques autres régions. Mais il n'y a pas beaucoup de monde. Elle est surprise, elle ne comprend pas pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde. On ne s'en sait pas plus. Il y a juste que, comme c'est pas le père... Les gens ont pas voulu venir si on pas voulu venir s'il n'y avait pas le père de la famille Sionsta, et ils savent que c'est sa fille et ils sont pas intéressés. Voilà, on n'apprend pas grand chose en vrai. On peut avancer. Et voilà. Et en fait, après ça, je me demandais où était la suite, où était la direction de Rivera. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai cherché, j'ai pas trouvé, pas trop trouvé. Et après, en allant chercher la solution, je suis tombé sur la vidéo de Hero Vault C, où à peu près à ce moment-là du let's play, il retournait à Osea, la première ville, pour échanger ses points de dresseur contre des starters. Puisqu'en fait, à partir du rang or, on peut échanger 60 points de dresseur pour avoir un starter. Et ça, j'avais trop envie. Sauf que j'avais que 35 points de dresseur. C'est un peu embêtant. Et donc, j'ai passé l'épisode à aller trouver des boss de route, à trouver des anciens champions d'arène, et on a réussi. Ah oui, ça. On a réussi à trouver des points. Et sauf que, donc, j'ai passé tout l'épisode sur ça, plus du temps en dehors des vidéos, le temps de chercher les dresseurs. Bref, et à la fin, ça s'est foiré quand j'ai choisi un Gobou par erreur. Gobou n'ayant pas de forme particulière dans ce jeu, j'étais dégoûté. Et donc j'ai pas voulu mettre la vidéo parce qu'on a tout était fait pour récupérer un starter à la fin. J'étais dégoûté. Bref, ça aussi on trouve un souvenir, comme ça il y a eu des petites étoiles. On trouve un souvenir d'une conversation eue avec Marshall. En gros, cette conversation, on comprend un peu qu'il est amoureux de Destiny. Voilà. Il n'y a pas vraiment grand-chose d'autre à en tirer. Mais il aime bien Destiny. Et à la fin, là je regarde les starters. Je suis un peu en mode, bon, quel je vais prendre et tout. Et on le fera. Franchement, dès qu'on a les 60, on le fera. Je sais pas si ça sera dans cet épisode, mais on ira en récupérer un. Et puis je prends le Gobou par erreur, j'avais envie de mourir. C'est la vie. Donc, voilà un peu la situation.
Et donc là, je suis à Kilex, parce que je suis passé à Kilex notamment pour me faire quelques points de dresseur. Et donc, un engagement que j'ai pris dans cet épisode que j'ai tourné, c'est que les boss de route, c'est-à-dire les membres de la Team Rocket, plus les anciens champions d'arène, je vais les faire maintenant. Ah mais si on a les 60 points? Mais c'est bon. On peut y aller. On va y aller. Là, je savais pas, je pensais que j'en avais plus. On peut y aller. Bah peut-être que j'étais pas obligé de refaire toute la vidéo finalement. C'est là, c'est grave. Ah oh, putain, c'est grave. Bon, alors j'avais par erreur. J'ai un Riolu. Ah oui, les raids aussi, il faut les faire. C'est des points en plus. Les raids, on gagne 2 points ou je sais plus combien. Et on peut avoir des Pokémon spéciaux. Donc ça, c'est assez cool. On les fera pareil dès qu'on en voit. On prend 2 minutes, on prend un peu le temps. Et là, on va aller se prendre un starter. Alors, j'avais enlevé Sirius, notre Altaria Dragon électrique. Parce que je voulais le remplacer peut-être par un Pokémon eau. On n'avait pas de Pokémon eau. Mais je sais pas trop. Alors je vais être super prudent. J'ai trop peur de me faire avoir. Et je vais les repasser en revue tous. Il n'y a rien ici. Je vérifie quand même pour être sûr. Parce que j'avais démarré tout de suite à partir des arbres la dernière fois. Peut-être qu'effectivement il n'y a personne. Enfin, il n'y a pas de ball. J'aimerais prendre un stylet. En fait, l'idéal, j'aimerais avoir un Pokémon eau. Ah, je n'appuie que sur C. Ah, lui, il est sympa aussi. Lui, combat, il devient un combat acier, un truc comme ça. Lui, je pense. Lui, insecte dragon, il devient. Lui, je n'aime pas trop, soin. Elle est normale. Ah, putain. Pardon, excusez-moi le gros mot, mais c'est ce Gobou des enfers. Lui, on l'a vu, je n'ai pas si fan de la forme finale. Enfin, normale. Ah, ou eau électrique? Non. Ça, on l'a. On va en prendre un deuxième. Lui, non. Eau ténèbres. Ah, je sais pas à quoi il ressemble. On n'a pas de Pokémon ténèbres. Après, là, il a pas l'air d'avoir tant changé que l'amiral. Écoutez. Eau ténèbres. On n'a pas de Pokémon ténèbres. Pour affronter les spectres, je vais prendre lui. Franchement, je vais 100% prendre lui. Avec un grand plaisir. Oui. On va t'appeler comment? Os. Os. Non, pas os, c'est nul. Os. Osso, c'est 100 fois mieux, bien sûr. Non, vrai, pas d'idée. On va faire Adamant, non? Quoique j'ai trop de. Bah, c'est trop tard. Swift Swim. C'est pour augmenter la vitesse, non? Et. Allez, le feu, on va prendre le feu. De toute façon, il n'y a pas de Hidden Power. Ability Patch, d'accord. Bon, et si un jour on en a re-60, peut-être qu'on retournera en prendre un, on verra. Je vais le faire évoluer tout de suite. Ah, on a nos bonbons, il sert. J'en ai 114. 2000. Ok, il monte niveau 15 directement. Water Sport, non, ça c'est nul. Focus Énergie, non. Et là, le problème c'est qu'il va évoluer en retard, non? Ah, tant pis. Hein. Niveau 18, ça va, c'est pas tant en retard non plus. Ok, j'espère qu'il va un peu changer. Que c'est pas juste. Il a une couleur un peu différente, mais qu'il y a un peu plus de changement. Alors, déjà, le Mateloutre. En plus, on l'a pas vu sur les adversaires qu'on a affrontés. Ah, si, on l'a peut-être vu. Ah, je sais plus. On l'a peut-être vu. C'est possible. Bon, on va enlever. On va mettre charge. Et on va l'amener niveau 44, quoi. Flip turn, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une attaque haut et ensuite on revient dans l'équipe. Oui, bon, de toute façon, ce sera remplacé sûrement par d'autres choses. Bon, je vous montre le résultat dans un petit instant. Ok, c'est l'évolution. J'espère que. Je vois à peu près à quoi il ressemblait. Il me semble qu'on l'a déjà vu. En tout cas, cette couleur-là sur Clamiral, ça me choque pas. Ouais, il est sympa, ça va, ça va.
Il est un peu moins classe et stylé que d'autres, mais ça va, je l'aime bien quand même. Seizeless Edge, qu'est-ce que c'est? En tout cas, ça a un nom d'attaque un peu fort. Il tranche et. Ah, il y a un truc qui se passe. Vas-y, je vais prendre. Ça a l'air bien, c'est une nouvelle attaque. En tout cas, moi, je la connais pas. Oui, il va sûrement en apprendre d'autres. Je vous le montre niveau 44. Ok, bah c'est fait, niveau 44. Alors, l'attaque Seizeless Edge. Eh bien, je vais enlever. Ah, 129 d'attaque. Franchement, il y a moyen qu'il soit bon, je pense. Il a X6 or, ça c'est pas mal. Il n'est pas type insecte, mais ça peut faire mal quand même. Aqua Cutter. Que des trucs à auto de critique. Ah non, X6 or, c'est peut-être pas auto de critique. Bien, et puis une petite attaque de priorité. Bon. On va aller ensuite en direction du festival. Voilà pour ce début d'épisode un peu étrange, mais ça me paraissait important. Même vous, si vous y jouez, ça permet un peu de vous rappeler qu'il y a cette option là qu'on peut avoir des starters. Et on va le mettre devant Osso. Et on est en direction de Rivera. C'est parti. Il n'y a rien récupéré. On est parti. A priori, c'est sûr, c'est dans cette direction. Route 10. Un karatéka. On le teste dans un instant. Hein, vous inquiétez pas. Mais là, j'ai comme le sentiment que c'est pas le plus adapté. Alors, on va l'affronter. Aucun problème. Je vais mettre mon truc accélérateur. Je vais le mettre. Ouais, effectivement, ça aurait pas été l'idéal. Alors, pourquoi il se lance pas? Alors, attendez 2 secondes. Et normalement, on devrait avoir un petit peu d'accélération. Pardon. Hitman Top. Eh, il l'a mis KO en un coup quand même. Bien. Pollux, il est. Je vais dire, il est chaud, mais il est mort surtout. Ok, faut que je fasse attention quand même à ce que ça ne fasse pas faire trop de bêtises. Les Dianes, on va laisser. Tonnerre. Ok, on résiste bien. Et on va aller se soigner quand même direct. On est pas très loin du centre Pokémon. Et voilà, un petit festival chez Marshall. Il nous a dit que comme c'est de l'année 1000, parce que si vous vous souvenez, on nous avait déjà parlé de l'année dans laquelle on était. On est dans l'année 999. Donc tout ce qui va se passer l'année suivante, ça va être spécial. L'examen de rang platine, il va être spécial. Le festival là, de Rivera, il va être spécial. Il va se passer des choses, quoi. On va bientôt. Ouais. Je vais bientôt peut-être enlever le. Comment? Je trouve plus mieux. C'est terrible. On va bientôt enlever le repousse infini. Je vais mettre. J'ai plus que Borealis. Ouais, mais là, je sens que si je prends une attaque vol, je sais pas trop ce qu'il va me faire vœu. Ok. Ah oui, on a toxique maintenant, lui. Je sais plus si je l'ai montré. C'est parfait contre des Pokémon comme ça. Si acide armure, au cas où il veut faire je sais pas trop quoi. Ok, il récupère toute sa vie, il fait des wish. Ok. Tout va bien. Il y a Aeon Defense. Vas-y, fais ce que tu veux. L'autre il est quand même empoisonné, le garde-voir, donc ça va. Borealis, fais ton vœu. Fais ton vœu, garde-voir. Vinduna. Je sais pas ce qu'il a fait, mais il nous a bien défoncé. Allez, Vega, bien joué. Noctowl. Allez, Osso, montre-nous ce que tu peux faire contre un gars comme ça. Ah, mais en plus, tu seras super efficace. C'est bien. C'est bien. Je vais me soigner. Quelques bonbons au passage, juste en dessous, juste pour vous montrer voilà, qu'il y a ça à récupérer. Si vous avez besoin. Et des points. On est en train de se refaire petit à petit, on a un point. Allez, on reprend. On continue par là. Je sais pas si on est exactement. Si on doit retrouver quelqu'un sur la route. Ou si juste on va comme ça jusqu'à Rivera. On verra. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais on va attaquer avec ça et ça. Ouais.
pas terrible, terrible. Ah, j'ai pas envie de perdre Borealis. Tant pis, j'utilise une hyper potion, mais j'ai pas envie de refaire le chemin. Ouais, ça va. Ça va, on le termine. Bien. Eh bien, on doit avoir soit sa pré-évolution, soit lui directement. Non. Non, je veux rien faire. Trois bonbons quand même. Et c'est 4 points de dresseur. Ça vaut qu'on est déjà de retour à 5. Je vais pas non plus checker à chaque fois. Mais maintenant, je vais. Tous ces petits trucs, je vais les faire. Je vais essayer de les faire. Bon, ouais, si on peut l'éviter, on le fait. Reflet. C'est pas un dresseur qui me rapportera quelque chose. On rapportera de l'expérience, peut-être. C'est tout. Ce n'est pas suffisant. On va essayer de t'empoisonner. Ok, c'est un peu la merde là. Je sais pas ce qu'il me fait comme embrouille. Empoisonne-le, non? Non, vraiment pas. Ok, Osso, montre-nous ce que tu vaux. Aïe! Bah, il a une hausse de stats aussi. Il va nous terminer tout le monde, lui, je sens. Ok. On va. Bonjour, je sais pas. Je sais pas ce qu'on va faire. Gageoine, ouais, on résiste bien, ça va. Oh! Ah, mais il a dû se baisser, il a dû perdre à mort ses stats, je sais pas trop. Bon, on va faire les mêmes strats pour tout le monde. Non, mais il faut qu'on ait quand même des Pokémon qui survivent. N'est-ce pas? Ouais, voilà, on va se faire d'acide armure, parce que s'ils sont tous. S'ils ont tous ça derrière des attaques. Oh, la défense qui baisse. Ok. Corviknight. On va mettre Borealis. Ah, ou j'aurais pu mettre Vega aussi. Ça aurait peut-être été mieux. Bon, c'est bon. Mais KO quand même. Clefable. On va mettre Australis. Va nous faire trop mal, lui, en vrai. Crash Canon. Ça va. Ça va. Et c'est gagné. Bon, là, je vais quand même aller me soigner. Ok, on est de retour par là. J'ai fait l'autre dresseur que j'avais évité au passage. J'étais un peu obligé, puisque quand on veut repartir... est-ce que ça peut être intéressant, ça? Non, pas du tout. Quand on veut repartir en direction de Corico pour aller se soigner, on est obligé de passer devant elle. Donc voilà, ça a été fait. Je vais pas le laisser devant. Je vais mettre Osso devant. Il a pas trop pu monter ce qu'il vaut. C'est vrai que je vais baisser sa défense, mais... Non, c'est son attaque spéciale que j'ai baissé. Aïe. Il n'a pas trop fait ses preuves pour l'instant. On va lui laisser encore un peu de temps. Elle est contre elle. 4 Pokémon, celle-là. Non, on va mettre un Gaffard. C'est un petit peu mieux, quand même. Power Up Punch. Elle fait mal. Et on le termine. Ouais, c'était un petit peu chaud. 1000 tanks. Ah, elle a des Pokémon plus adaptés, quoi. Donc utilisons les Pokémon adaptés. Ok, je sais pas ce qu'il va me faire, mais je m'augmente un petit peu. Et on termine. Ensuite, Gogoat. Toujours pas très adapté au saut, encore une fois. Ouais, comme ça. Ça va. Southland. Australis en vrai. Il aura ses chances au saut un jour, j'en suis sûr. Ok, ça va, on encaisse. Ça choque. Aïe. J'ai la flemme de retourner me soigner encore. En fait, j'ai déjà fait beaucoup de trajets pour aujourd'hui. J'ai envie juste d'avancer. Enfin, de. Après, est-ce qu'on est riche? On a 21 000. Hein. C'est pas toujours qu'on s'est retrouvé avec autant d'argent. Donc c'est à noter. Australis, j'ai trop besoin de lui. Il est trop important. J'ai besoin d'argent aussi. Là j'en ai utilisé beaucoup en peu de temps quand même. Je vais peut-être arrêter de faire le flemmard. Bon là on revient là où on était juste avant. Ok, est-ce qu'on aurait déjà traversé la route? Et on arrive à... Ah mais elle nous soigne elle. Et on arrive... Non, je pense que s'il y a quelqu'un qui nous soigne, c'est qu'on n'arrive pas dans la ville. Est-ce que tu savais que protège l'attaque la plus forte? Tu ne peux pas prendre de dommages. Ah oui, c'est abri. Non, on ne veut pas utiliser le PC.
on continue. Route 11, qui ressemble fortement à la route 10. Allez, je vais enlever un petit peu le repousse, voir ce qu'il y a. On connaît. Ça fait pas partie. Mais non, ça peut pas faire partie des Pokémon qu'on ne connaissait pas. Ah oui, peut-être c'est un Pokémon nouveau qu'on n'avait pas encore vu. On n'avait pas encore dans le Pokédex. Allez, j'ai attrapé un Pokémon. Bah, c'est bien pour toi. À quoi que terre. On a quoi que terre encore. On va mettre le GAFA. Non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ça que j'avais en tête. J'étais ce con là. Ce con de Barbara. Bon, tu vas me faire ça avec tout le monde. Oui, bien joué Australis. Oh là là, qui ça va être encore ça. Pourquoi les combats ils sont jamais jamais simples. J'ai pas envie de perdre tout mon argent en même temps. Bon, je pense qu'on peut gagner encore. Bien joué Pollux. Pelipper. Il y en a encore tout ça. Le Poison Jab. Si on peut l'empoisonner. Ah non, mais avec la Mist, il nous attaque pas. Écoute. Tant mieux pour nous. Cloyster. Allez, Jump Kick. Poison Jab. Jump Kick, faut pas qu'on loupe. Bien joué Pollux. Bien, bah je vais me soigner. Oh, petit granivole. Il est mignon. Je voulais juste vous le montrer. J'avais oublié qu'on avait la dame qui nous soigne juste à côté. C'est tant mieux. Ça fait du bien. Est-ce qu'on a rencontré tout le monde? Ah non, il en reste encore deux. Ah, granivole, on l'avait déjà rencontré. Je m'en rappelais pas. Ah, lui, on l'avait pas rencontré en sauvage, je pense. Ok, il nous en reste un à découvrir. Alors j'ai lu, je crois, dans un guide de... Vraiment dans les documents, entre guillemets, officiels. Oui, officiels. Quand on obtient, quand on télécharge le jeu. Oh, c'est peut-être... Que, comme quoi, il y aurait à peu près toujours 5 Pokémon sauvages. Et qu'ils ont autant de chances, les uns que les autres, d'apparaître. Ah non, c'est pas lui. Donc, il devrait arriver, le cinquième Pokémon, normalement. Il devrait totalement le faire. Non mais avant j'avais l'impression d'avoir toujours besoin d'un Pokémon haut et là à chaque fois il se trouve qu'il n'est pas si utile. C'est assez dingue. Grimmer. Il est poison haut lui je crois. Non on va laisser. On va laisser totalement. Sludge Wave. Oh tu me fais mal. Pourquoi. Allez au saut. Je vais lui payer. Ah pourquoi j'ai choisi la pire attaque aussi. Je suis nul. J'ai pas vu qui veut mettre, je panique. Il met Cloyster. Pas le bon Pokémon. Ouais. Pas le bon Pokémon, c'est pas grave. Flash Canon, c'est pas mieux. Ah, c'est un petit peu mieux quand même. Bon, je retourne me soigner. Ok, je retourne par là. Ah oui, non, on avait déjà testé ici, pardon. Donc là, on a fait le pêcheur, on peut continuer. On va forcément en bas. Ok, il y a un ranger avec un chouchoudil, il veut nous l'offrir. Mon chouchoudil aime quand je lui donne des pommes. Ok. Et il faut qu'on lui donne une pomme. On n'a pas de pomme, non. Ah, ok, on va pas s'embêter cette fois-ci. On va tout de suite mettre le Borealis. Et on attaque. Est-ce que cet endroit est joli? Oui, oui, oui. Ça va. Une sorte de marécage un peu empoisonné. Veluza, c'est qui ça? Un nouveau Pokémon ou je connais pas simplement. Possible que. Mince, c'est qui l'a mis? Simipour. Allez. Allez Osso. Night Slash. On est brûlé, mais Osso, tu as une fichue malédiction, je te jure. C'est pas possible, tu peux jamais faire un combat. Tu es maudit. Là, tu pouvais un peu peut-être le faire. Enfin, c'était équilibré. Je pense qu'on pouvait gagner. Mais non, il y a toujours un truc qui va pas. C'est ouf. C'est assez ouf. Ah, franchement, je vais continuer un petit peu. Oh là, c'est terrible.
Encore un pêcheur, mais alors toi le pêcheur. Non, je vais me soigner. Ok, on est reparti. Mince. On s'était laissé où? Oui, on était déjà un petit peu monté. On avait vu qu'il y avait encore encore un pêcheur. N'interromps pas ma pêche. Attends, bah oui, on va rencontrer que ça. Bien joué, Borealis. Jellicent. Oh, Jellicent. Viens là, Jellicent. C'est un spectre. C'est bon, c'est la vraie version. Et oui, Pouritique. C'est ce qu'on veut. Slowbro. Je sais plus s'il a une forme spéciale. Ah, type 6, ça aurait pu être ton moment. C'est pas grave. C'est bon, tout va bien. Tout va bien. Allez, faites que ça soit. Non, c'est pas une super potion. On a toujours tous ces data câbles. On en a 12 maintenant, je crois. Encore un pêcheur? Ah non, pas un pêcheur. On va changer, j'ai pas envie d'aller je ne sais où tout de suite. On va mettre au saut. Et là, il va s'en sortir, non? Reflète. Oui. Oh, c'est tout. Pas terrible les dégâts. Hein. De Dundragon. Alors, on va mettre Pollux. Ah, c'est lui. Je sais pas, c'est lui. Ok, ça va. Oh non, on a loupé. Non. Ah, pourquoi je fais, j'accélère encore plus quand justement je suis dans des situations comme ça. Oh, j'ai paniqué. Fortress. Bon, on est peut-être bientôt à la fin de la route. S'il y a une dresseuse comme ça qui nous défie. Araquanid. Maître Australis. Ah, mais l'insecte aussi, non? Eh oui. Ah, on n'a pas réussi. Soit KO. Ce que tu veux. Ah non, je l'ai envoyé à l'abattoir. C'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. Vega, mais si tu te prends une attaque haute, t'es terminé, toi. Non? Eh oui, mais il me fait pas d'attaque. Pourquoi? Bah tant mieux. Blissey. Allez, le gaffard, c'est ton moment. Night Screen, ça va. C'est gagné. Non, on est peut-être pas tout à fait à la fin de la route. Okay. En haut, il y a l'air d'avoir une. Ok, on va le faire. J'ai promis de les faire maintenant, ces gens. Mais je vais juste voir si je peux me soigner sur la route. Oh, si on arrive à la ville et que je peux me soigner, je vais pas faire chemin sens inverse. C'est bon. Je savais que tu serais pas le dernier à arriver ici. Où sont tous les autres? Il y a que toi, Chelsea et moi qui sommes arrivés si loin. On devrait probablement aller jeter un œil avant qu'ils arrivent là. Voir s'il y a un endroit où on pourra rester. On a 2 jours à tuer avant que le festival commence. Mais il y a l'air d'avoir une mairie. Une mairie. J'imagine que c'est le meilleur endroit pour vérifier. Super. Je vais demander à Chelsea de se rejoindre à nous, mais elle est toujours un peu timide. J'espère vraiment que toute cette expérience va l'aider à être plus à l'aise avec nous. Ok, on arrive vraiment à la ville. On va avoir fait les 3 frères. Ok, on a l'air d'arriver vraiment à la ville. Centre Pokémon, s'il vous plaît. Where is le centre Pokémon? On dirait que la ville est vraiment dans les marécages, en tout cas. Est-ce qu'il y a un centre Pokémon dans cette ville? Peut-être pas de centre Pokémon. Alors, ça peut être que au-dessus. Là, il nous a parlé d'une mairie. Mais même de bâtiments qui pourraient être une mairie, je suis pas sûr. Là, c'est une autre partie de Rivera Woods. Ben non, mais on peut pas. Non, mais forcément, on va entrer dans les maisons au hasard. Elle nous. Ok, on va aller à Corico pour se soigner. Juste pour se soigner. Et on retourne. On retourne à Rivera. Bonjour. Sud-Est, Rivera. Et on va aller faire. On va aller faire l'autre là. J'ai promis. Et si je ne tiens pas mes promesses. C'est pas si grave. Si, c'est un peu grave quand même. Allez. Bonjour.
Oui, on va te combattre. Il a du type haut. Night Slash. Excisor. Pas terrible les dégâts, les Borealis. Mettre. Et il n'y a plus de danse plus. D'accord. Bien. Et j'ai l'impression qu'il a pas une attaque si ouf. Pour moi, même si c'est pas super efficace, ça aurait dû faire plus de dégâts que ce que ça a fait là quand même. C'est assez perturbant. Bon, c'est pas la fin du monde. Hein. Ok, est-ce qu'on va... Ah non, il y a une Mechawar. Elgafa, qui va venir faire un petit Mach Punch. Oh, heureusement, il a loupé son attaque. Freedish. Eh bien, force au saut, tu vas faire quelque chose, Night Slash. Merci. Simi pour mettre Borealis. Et tonnerre. Très bien. Très bien, très bien. Trois bonbons, on n'a pas trop besoin. Trois points de dresseur. Et. Ah, il ne nous donne pas de points supplémentaires. Dommage. Ah, on arrive, on revient tout ici. Ok, ça nous fait faire un gros détour. On va se laisser dans la ville. De toute façon, je veux juste quand même qu'on se remette dans la ville de Rivera. Peut-être que je referai un tour pour aller me soigner. Je pense qu'il y a quand même un endroit pour se soigner dans cette ville. J'ai pas trop compris où on pourrait faire ça. Mais ça va aller. On va se laisser quelque part par ici. Ah, c'est peut-être ce bâtiment. Non. Mon fils travaille en tant que ranger dans la guilde d'Iseka. Je suis fier de lui. Non. Apparemment, non. Bon, on va se laisser là quand même. Merci à tous d'avoir suivi cette 31e partie. Oh, c'était un épisode un peu moins mouvementé que les autres. En plus, démarrer avec un petit rappel un peu bizarre. Mais, enfin, parlant de mon loupé de l'épisode 31 véritable. Bref, à très bientôt tout le monde. Ciao, ciao.